Et le héros du procès Schwarzbard, indépendamment de Schwarzbard, c'était Torres. Et Torres a été mon patron, mon maître, chez lequel je suis rentré, pour ainsi dire, dès mes débuts au barreau, qui m'a tout appris. Donc l'affaire Schwarzbard et la naissance de la LICA, qui ne s'appelait pas la LICRA, elles m'ont accompagné tout au long de ma jeunesse. Et la dernière affaire que j'aurais plaidée, c'est pour la LICRA contre Faurisson. Le lendemain, j'étais nommé ministre. Je peux dire qu'entre l'origine, le moment où je commence, et la fin de ma carrière, il y a toujours la LICRA présente. À part ça, j'ai plaidé pour un certain nombre de procès pour la LICRA, notamment contre les Russes. Que diriez-vous pour transmettre cette flamme du combat militant aujourd'hui? Les choses ont changé. Voilà. Les choses ont changé. Il ne faut pas oublier le passé. Il ne faut pas en être prisonnier. À l'heure actuelle, la lutte contre l'antisémitisme continue, parce que l'antisémitisme lui-même se poursuit avec un changement de nomination, c'est l'antisionisme. Mais derrière l'antisionisme, nous savons tous que c'est l'antisémitisme. Ce qui a changé par rapport à l'avant-guerre au moment de la création et à l'après-guerre, c'est que le temps s'est écoulé, qu'on ne doit pas vivre dans le passé. Sur ce point, très fervent partisan de l'amour de la vie. Regarde votre âge. Oui, l'amour de la vie, la Reim. Et ça implique qu'on ne se laisse jamais enfermer dans le passé. Aussi douloureux soit-il, ce qui compte, c'est la vie et évidemment l'avenir. Alors, vous disparaissez, d'autres vous succèdent, c'est pas important. Mais ce qui compte, c'est deux choses, la continuité de l'action, parce que l'antisémitisme est toujours présent, toujours sous les traits de l'antisionisme, car la naissance de l'État d'Israël a changé beaucoup de choses, et indépendamment de l'antisémitisme, puisque la LICRA est devenue la LICRA pour lutter contre le racisme, disons que le combat pour les droits de l'homme est aujourd'hui différent de ce qu'il a été. J'attire beaucoup l'attention des jeunes générations sur ce point. La vraie lutte en matière de droits de l'homme, et évidemment, s'agissant de l'antisémitisme, la vraie lutte doit prendre en compte la bataille pour l'universalité. Aujourd'hui, je considère que l'universalité des droits de l'homme, qui est pour moi inhérente à celle-ci, est menacée profondément. Alors, pour en revenir à la LICRA, je crois que, s'agissant de la LICRA, le combat contre l'antisémitisme, évidemment, doit se poursuivre au premier chef. L'antisémitisme est la négation des droits de l'homme, mais dans sa version la plus extrême, la plus abominable, jusqu'à la négation et la liquidation physique des Juifs. L'antisémitisme n'a pas disparu, parce que l'hitlérisme a disparu. Il n'avait plus les mêmes formes. Pour l'essentiel, aujourd'hui, c'est l'antisionisme, c'est l'antisionisme
qui se manifeste, c'est une forme de l'antisémitisme camouflé. Alors, soyons lucides et disons non. Non. N'acceptons pas cet antisionisme qui camoufle l'antisémitisme. Ce n'est pas pour autant que nous devons approuver, chacun d'entre nous, le gouvernement d'Israël dans toutes ses actions. Ce n'est pas le fait de l'ICRA. Mais pour l'essentiel, je le dis clairement, il faut démasquer ce qui se cache derrière l'antisionisme et qui est toujours l'antisémitisme. Alors ça posera des problèmes aux jeunes générations. J'en suis très conscient. Ça posera des problèmes aux jeunes générations parce que, tout simplement parce que l'État d'Israël n'a pas résolu la question des droits des Palestiniens. Ce n'est pas à nous ici de porter la critique à cet égard sur ce que font ou ne font pas les autorités israéliennes. Pas facile. Proche-Orient, de faire triompher les droits de l'homme et l'état de droit. Pas facile. Mais je dis toujours, mon frère peut avoir tort, mais c'est mon frère. Cher Robert Badinter, permettez au nom de la Fédération de Paris de la LICRA de vous remettre, alors c'est très symbolique, mais voilà, c'est une espèce de diplôme de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme de la Fédération de Paris et le prix spécial du jury 2022. Vous êtes adressé pour l'ensemble de votre œuvre, et qui est une œuvre multiple, qui est une œuvre d'abord professionnelle en tant qu'avocat engagé, avocat de la LICRA, qui est une œuvre politique en tant que ministre, où vous avez contribué à des avancées sociétales immenses pour la France, qui est une œuvre aussi en qualité de président du Conseil constitutionnel, avec des avancées justement sur la norme constitutionnelle dans notre pays, une œuvre également politique, mais cette fois-ci en tant que parlementaire, et enfin, j'oserais dire, une œuvre littéraire multiple. Pour ma part, j'ai rencontré cette œuvre littéraire avec ce livre de chevet pour tout étudiant se destinant à la profession d'avocat au pénal, qui est l'exécution. Et l'exécution, ce sont des souvenirs impérissables. Et ce sont ces premiers pas littéraires qui m'ont conduit dans la profession d'avocat. Et je suis très heureux de vous avoir entendu nous rappeler que la création de la LICRA s'est faite par votre maître professionnel en tant qu'avocat, l'immense Henri Torres, et finalement que vous avez été à la veille de devenir ministre de la Justice, et l'immense ministre de la Justice que vous avez été, en plaidant la veille contre l'horrible Faurisson. Et merci de nous dire aux jeunes générations que les combats continuent, et la vie est plus forte que tout, alors avançons, combattons, et si je puis dire, en confiance, parce qu'on doit avoir confiance en la vie. On doit avoir confiance au présent et au lendemain, et c'est pour ça qu'on mène ces combats. Vous avez un militant, c'est celui qui rêve un petit peu de changer le monde. C'est ce qu'on essaye de faire. Merci mille fois, infiniment, du fond du cœur. Merci mille fois, cher Robert Badinter. À mon tour de vous remercier. Voilà, c'est un diplôme qui prendra sa place dans une collection, déjà. J'imagine, vous êtes surdiplômé. On n'a même pas une vie universitaire sans collectionner les doctorats honoris causa. Mais celui-là me touche particulièrement pour la raison que vous avez évoquée, qui fait que ma vie s'est déroulée, je n'ose dire, à l'ombre du soleil de la LICRA. Et que maintenant qu'elle s'achève, recevoir un prix de la LICRA, c'est pour moi une récompense, la seule que j'aurais souhaité avoir de la LICRA, mais la plus importante. Voilà. Merci mille fois.
s'est porté pour deux couples de deux auteurs et qui, par extraordinaire, traitent un sujet pareil, si je puis dire. Et donc, nous allons leur remettre le prix littéraire de l'ENTRA Paris 2022. Et notre président David Olivier Lamassine tout à l'heure vous parlera d'un prix spécial du jury, dont je suis président. Et c'est à lui que on est dans l'honneur de vous parler de ce prix dont on peut dire qu'il est non seulement spécial, mais très spécial. Alors, on a été très émus, comme beaucoup d'entre vous et toutes et tous, de la disparition récente des Libutins. Et nous nous sommes dit que les témoins de la Shoah, hélas, seront un jour physiquement absents. On vient de terminer le 15e sommet de l'ICRA. Je veux remercier M. Stasi. Maître David Kaminski, David Kaminski, maître, je vous remercie beaucoup. Jordan aussi, merci, vas-y, merci. Et également, je vais remercier mon maître, notre maître Jean-Pierre Alain, maître, merci beaucoup et à très bientôt.